Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous partager comment, avec un même fond, on peut faire deux cartes. Avec une découpe, ça veut dire on utilise le positif et le négatif. Vous m'accompagnez? Alors, sur cette vidéo, on va continuer un peu le travail avec les fonds qu'on avait fait la semaine dernière, sauf que je voulais vous montrer comment, quand j'ai fait ça, quand j'ai fait des découpes dans des fonds distress. La majorité du temps, j'utilise tout. Alors, j'utilise la découpe, mais j'utilise aussi l'espace négatif. Quelque chose de très important avec le papier. Il y a quelques-unes parmi vous qui m'ont écrit pour dire que ça fonctionnait pas très bien. Je pense que le papier, c'est le principal aussi avec cette technique-là. Il faut essayer différents papiers. En fait, moi, avec le premier papier que j'utilise d'habitude, ça fonctionnait pas bien. Et c'est avec ce papier irisé, mais bon, aussi vous pouvez trouver un papier qui absorbe pas trop les encres. C'est ça l'idée, pour que les encres restent un peu en surface et comme ça elles vont réagir à l'eau. Elles vont réagir aussi aux lingettes et tous les côtés humides que vous pouvez utiliser avec. Alors, je vous conseille d'utiliser, de faire un petit essai sur un petit bout de différents papiers. Vous allez voir que vous trouverez un papier où ça va fonctionner. Je voulais aussi vous dire merci, merci, merci. On est plus de 2000 maintenant. C'est vraiment incroyable. Je prépare un petit quelque chose, une petite surprise pour fêter ça ensemble. Mais je vous dirai ça quand ça sera le moment. Aussi, je voulais vous dire que finalement, j'ai ouvert un compte Instagram. Alors, si vous voulez me suivre, vous êtes les bienvenus. Je vais faire aussi un petit concours pour les abonnés Instagram, mais je vous annoncerai ça aussi quand je serai prête. Voilà, simplement, on passe aux cartes. Là, j'ai fait comme l'autre fois des fonds avec des encres distress. C'est exactement la même technique qu'on a vue l'autre fois. Je vous laissais aussi le lien vers la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vous avais dit qu'une fois qu'on commence à faire des fonds avec les distress, on ne peut pas s'arrêter. Alors, c'est un peu ce qui m'est arrivé, bien sûr. Mais bon, je trouve que c'est aussi une idée intéressante d'utiliser le côté négatif et positif. Là, regardez, je prends de l'eau avec mes mains. Et je mets des grosses gouttes. Si vous voulez des gouttes plus petites, vous pouvez prendre simplement les pinceaux. Là, je nettoie un tout petit peu si elles sont trop grosses et je vais laisser ça sécher. Mais vous allez voir comme l'encre, elle reste assez en surface. Alors, elle réagit vraiment avec l'eau. Alors, vous allez voir mon fond sec. Et regardez, j'ai un effet très joli. Il faut pas faire grand-chose pour faire une belle carte avec moi. J'aime beaucoup ces fonds-là. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, vous me direz. Là, j'ai simplement découpé deux petites feuilles. Et je vous montrerai après les cartes finies parce que c'est plus les fonds que je voulais vous présenter et aussi la technique négative-positive qu'on verra avec la prochaine carte. Parce que là, on va utiliser le reste, disons le négatif, comme vous voyez là. Et après, les feuilles découpées, on peut les utiliser pour une autre carte. Là, je vous montre un deuxième fond, mais c'est exactement la même idée. J'échange un peu les couleurs. Et vous avez vu la carte où j'avais mis un vélo sur la dernière vidéo. Ben, le vélo, il a été découpé dans ce fond-là. C'est un fond que j'ai fait et j'ai utilisé le vélo pour la carte que je vous ai présentée la semaine dernière. Et ici, je vais simplement utiliser le reste. Alors, c'est très important de garder tous les petits bouts de découpe, de la découpe. On va garder absolument tout. C'est un travail minutieux, mais bon, je trouve que c'est assez. C'est différent, c'est simplement différent. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, vous voyez qu'il y a un petit côté plus foncé sur le côté, sur le fond en bas à droite de la carte. C'est parce que j'avais laissé un bout de lingette par là et c'est un peu mouillé, alors ça change justement la couleur.
Là, j'ai pris un fond, un pochoir nuage pour faire un petit fond un peu différent. Je trouve que ça, j'adore ça vraiment. Je vous disais le bord un peu plus foncé. Après, je pense qu'on va pouvoir le découper un petit peu, alors ça ne va pas se voir. Et c'est là que je vais découper mon petit vélo avec des fleurs. J'adore ces dailles. Et là, c'est l'été. Ça me fait penser vraiment à l'été, les vacances. Là, c'est un autre fond que j'avais fait, un peu mer. Et là, je vais découper cette petite cabane. Et je vais utiliser aussi le négatif et le positif. Alors, gardez absolument tous les petits bouts. Il y a normalement des bouts qui se perdent partout, surtout comme moi dans l'atelier, j'ai un bazar énorme. Alors, c'est pas facile. Des fois, les petites pièces vont partout. Regardez là le vélo. Je vous montrerai bientôt la carte qu'on a faite la semaine dernière avec ce petit vélo là. Toutes les pièces, il faut les garder. Et on va utiliser le vélo aussi pour nous aider à coller les pièces. Et c'est ça que je vais utiliser, mon petit vélo. Là, c'est la carte que je vous dis. C'est ça, la petite découpe vélo. C'est de là que je l'ai prise. Et là, maintenant, je vais utiliser le reste pour faire cette carte que je présente aujourd'hui. Là, je m'aide. Je remets ma petite découpe. Je la remets en place parce que c'est cette découpe qui va m'aider pour coller tous les petits bouts qui restent. J'ai là en haut, j'ai tous les petits bouts. Et là, je commence à faire comme un puzzle. Et je commence à tout coller. Là, il y a ma tête 40 fois. Alors, j'ai pas mal coupé. Mais bon, vous comprenez l'idée. Regardez, là, je place chaque petit bout. Et là, j'ai fini. Parce que bon, finalement, c'est pas assez compliqué. C'est simplement minutieux. J'ai fini. Et j'ai décidé après de mettre un peu de colle pailletée. Mais en fait, je dois vous confesser que c'était pas une belle idée. J'aimais le rendu à la fin de la colle pailletée, j'adore ça. Mais j'aurais dû le faire avant, en fait, décoller mes pièces parce que encore la colle est là de l'eau et j'ai perdu un peu la couleur de mon vélo. Alors si vous faites ça, faites la colle avant et vous mettrez après les petites pièces. Là, simplement, je vous montre parce que c'était ça mon idée de vous présenter qu'on colle les petits bouts. Je vous présente mes cartes finies. C'était une vidéo assez courte. Là, la carte, elle est finie. Je trouve que c'est différent l'effet. J'aime beaucoup. Là, on ne voit pas très bien. J'ai mis formidable été. En fait, il n'y a pas d'accent en été. Alors, je vais ajouter mon accent. Là, les couleurs, elles sont pas super. Je vous montrerai à la fin des photos de ces cartes parce que je trouve que les couleurs, elles sont pas super. Là, je mets le petit accent parce que j'ai pas mis l'accent. J'avais mis formidable été. J'aime beaucoup, c'est trop différent. La colle pailletée, comme je vous dis, j'ai perdu un tout petit peu. Alors, je suis venue après remettre un tout petit peu d'encre pour essayer de récupérer ça. Mais bon, je trouve que de toute façon, elle est belle. Celle-là, elle est très simple. Mais j'adore le fond, j'adore les gouttes, j'aime beaucoup. Alors, je trouve qu'avec très très peu d'efforts, on peut avoir des cartes vraiment uniques. Parce que les fonds, bah, c'est unique. Vous ne pouvez pas faire le même deux fois. Et celle-là, bah, c'est avec la petite cabane. Là, ça serait le côté positif, disons, de la découpe. J'ai mis un peu de colle Tessa Action sur la porte. Et j'avais mis un peu de colle effet 3D blanche sur le petit. Sur l'étoile des mers qu'il y a sur la porte, les petits poignets. Mais j'ai pas trop aimé. Alors, je vous montrerai comment j'ai essayé de remédier ça aussi. Et là, j'adore. C'est une carte, on dirait, minimaliste. Là, c'est les bords aussi. Le reste de la découpe de la porte, j'ai tout récupéré. Et je refais ma petite porte comme j'ai refait le vélo avec le même. En posant la découpe et en essayant de remplir. Là, c'est des bords super fins. Mais je trouve que le rendu, il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Il faut peut-être
peut-être en vidéo, ça rend pas super beau, mais c'est vraiment différent. C'est des petits bouts de papier minuscules collés et j'ai beaucoup aimé ça. Là, comme je vous disais, j'avais mis un peu de peinture 3D qui n'est pas restée avec du volume, sinon qu'elle s'est effondrée. Alors, j'ai décidé de changer, de mettre un petit bout de couper de la mousse, la petite étoile et la petite poignée de porte dans de la mousse pailletée. Et c'est comme ça que j'ai décidé de réparer ça. Bon, là, vous savez maintenant que rien ne se perd. Que tout se réparte avec un même fond, on peut faire deux cartes. Dites-moi quelle carte vous préférez. J'espère que vous avez ça. Je vous laisse avec quelques photos. Suivez-moi sur Instagram et je vous dis à très bientôt. Merci, merci. Ciao, ciao. Gros bisous.